Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder eh bien, tout simplement ce qui se passe dans vos énergies pour cette période du 15 au 28 février 2023. Donc tout de suite on va regarder le tirage, voir ce qui arrive vers vous pour cette période. Voilà. Allez, la reprise n'est pas évidente, mais c'est reparti pour un tour. On voit une transformation tout de même hein, pour vous. Donc, on va regarder eh bien, ce qu'est cette transformation, ce qui vient vers vous. Alors, pour les scorpions, pour la période du 15 au 28 février 2023. Allez, c'est parti, on va faire une coupe. L'amour et la magie. Bon, alors, il y a quelque chose qui se débloque. Hein, en tout cas, vous êtes plutôt enivré en ce moment. Des rencontres magiques, pourquoi pas. En tout cas, ici, peut-être quelqu'un a la clé de votre cœur, les scorpions. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. En tout cas, j'ai quand même quelque chose d'assez positif. Hein. Et puis voilà, surprenant même. Voilà ce qu'on pourrait me dire. Allez, on y va pour les scorpions. Que se passe-t-il dans vos énergies pour cette période? C'est parti. Oui, les scorpions, et eh bien finalement, vous commencez à lâcher prise, à prendre de la hauteur avec un grand oui. Donc, eh bien, écoutez, vous êtes plutôt pas mal ici, hein, plutôt dans la joie. Donc, eh bien, si on s'autorisait un petit peu à ouvrir son cœur avec légèreté, voilà ce que j'ai comme idée ici. Ça a mis du temps, hein, oui. Alors, très certainement que voilà, vous étiez en attente de nouvelles, en tout cas d'une énergie qui pense à vous. Hein. Eh bien, ici, on voit que ben, c'est plutôt positif, puisque vous allez avoir des informations concernant, eh bien, ici, on va me parler de relations, en tout cas des nouvelles positives qui ont mis le temps à arriver vers vous, mais qui sont très, très, très lumineuses, joyeuses, une forme de légèreté, vous enveloppe, hein, telle cette petite licorne, toute joyeuse et toute rigolote. Et puis, vous allez pouvoir aussi peut-être changer de direction, hein, comparé à ce que vous pouviez mettre en place par le passé. Et nous avons un grand oui ici. Hein. Donc, des nouvelles positives arrivent pour vous, ça c'est sûr. Alors, quelque chose que vous attendiez depuis l'automne, hein, peut-être. Même une perte d'énergie depuis cet automne, mais là on voit que eh bien ça va vous donner un regain de courage. Eh bien effectivement des nouvelles arrivent pour vous. Hein. Et puis on voit bien la fin d'une situation. Hein. Pour moi là on part sur un nouveau départ. Fin de situation, fin de peut-être des conflits aussi au niveau de l'administration. Hein, ça bloquait. Eh bien là on parle aussi de nouveaux projets qui vont plutôt être très positifs pour vous. Mais on vous dit de bien écouter votre intuition, hein, c'est très très positif. Voilà. Des secrets aussi, je pense que peut-être que vous n'y voyez pas assez clair par le passé, vous aviez pu être un petit peu illusionné, mais ici, on voit que c'est la fin de tout ça. Ouais. Vous avez très certainement coupé aussi hein, et cherché à savoir réellement ce qui était bon et juste pour vous. Hein. Donc ici, eh bien, on va finir par y voir clair. Et puis cette sensation de lâcher prise, de liberté, en fait, vous coupez avec un ancien schéma. Alors ici, effectivement, c'est très certainement qu'une rencontre sera très stable. En tout cas, peut-être que vous êtes empêché aussi hein, d'aller vers une relation. Qui vous semblait plutôt difficile, mais ici on voit que cette rencontre risque de porter ses fruits. Oui, on parle de tentation ici, hein, donc effectivement on a pu être tenté par une personne. Que va-t-il se passer? Eh bien, tenter aussi d'inviter peut-être ou de retrouver de mettre en place cette invitation, hein, comme je vous disais, hein, ça va vous permettre d'avoir de la hauteur, peut-être une relation guidée aussi. On vous encourage en tout cas à aller vers cette belle énergie qui vous traverse. Alors, on a eu de la colère hein, concernant des pertes, effectivement. Hein.
Voilà, moi j'ai eu des addictions ici, hein, des pertes, et comme je voyais tout à l'heure, cette forme d'illusion. Vous attendiez très certainement une personne qui n'arrive pas. Hein, donc ici, c'est pourquoi vous devez couper et repartir sur autre chose. Voilà ce que j'ai pour vous, hein. Couper sur une relation du passé, et oui, et la magie opère. Voilà, ça revient. La magie opère après une sortie d'illusion. Voilà, allez, on va voir un petit peu plus loin pour les scorpions. Bon, ben c'est très chouette, hein. Mettez de la légèreté et coupez avec des énergies qui n'ont pas été intéressantes pour vous, juste et bonnes, hein, les scorpions. En tout cas, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous et j'entends vraiment une belle rencontre. Allez, les scorpions, qu'avons-nous pour vous? Le choix. Unir. Récolter. Exactement. Alors là, ça vient confirmer ici le choix. Donc, effectivement, hein, tout ce qui va être relation qui vont vous mettre dans la tentation, dans l'addiction, dans le mal-être, etc. Eh bien, ici, on vous dit que c'est terminé, hein, puisque ce que vous souhaitez, vous, c'est une union constructive. On avait cette rencontre et cette rencontre qui vous mène dans une énergie de stabilité, d'accord? Hein, et puis, vous allez récolter le fruit, puisque votre décision qui sera de couper avec ce qui n'est pas visible pour vous au niveau des sentiments et des relations extérieures, parce que vous vous favorisez vous-même. Donc, c'est très chouette, hein, puisque ici, vous allez avoir effectivement cette rencontre qui va arriver dans votre vie ou qui est arrivée. Tout juste là, qui va vraiment vous permettre de vous poser émotionnellement. Création et l'ami. Voilà. Dans cette relation, vous allez pouvoir être en harmonie et puis surtout avoir des projets ensemble. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, hein, puisqu'on voit une alchimie, hein, et de la créativité très positive pour tous les deux. Par contre, ce qu'on me dit, effectivement, avec le sortilège, ce qu'on me dit, c'est ne pas. On vous demande d'être authentique et de ne pas jouer un rôle, etc. On vous demande d'être complètement authentique de qui vous êtes et poser votre cœur si nécessaire pour exprimer vraiment ce que vous souhaitez et acter les choses. Ça permettra une belle évolution et une relation qui sera dans une vraie construction. Allez les scorpions, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. J'ai celle-ci qui s'est retournée tout de même à hein, la stagnation. Donc, vous allez sortir d'une forme de stagnation. Maintenant, on vous demande d'être vraiment authentique. Une belle relation arrive à vous, hein. Mais soyez vraiment authentique. Ne portez pas de masque, les scorpions. Allez. Message pour les scorpions. La victoire. Eh bien, écoutez, ces cartes, la vision de l'Ouest vient vraiment confirmer mes dires. Hein, on voit ici l'illusion, l'équilibre et puis la victoire. Donc vraiment, on vous demande d'être complètement authentique aussi dans vos ressentis. Hein, soyez authentique aussi dans vos ressentis, dans vos désirs, dans vos souhaits les plus profonds. Ici, vous avez une belle victoire. Vous allez sortir d'une forme d'illusion. Hein, on avait tout à l'heure cette idée. Et trouver vraiment cet équilibre. Qu'est-ce qui est bon et juste pour vous? Et surtout d'être dans l'équilibre lors de vos échanges relationnels. Voilà les scorpions. Allez, un petit message complémentaire. Alors, je vais hop. Merci pour vos abonnements, vos likes. Ça permet à la chaîne eh bien, d'être plus visible sur la toile YouTube. Hein, parce que c'est vrai que eh bien, c'est un algorithme. Et donc, eh bien, si il n'y a pas de mouvement au niveau des likes et tout ça, eh bien, la chaîne n'est pas trop visible et donc ne peut pas être
transmise à tout le monde. Merci à vous. Nous sommes tous connectés. Hein. Voilà, pour vous, nous sommes tous connectés. Donc, vous avez une très belle énergie. On vous demande aujourd'hui, effectivement, enfin, on vous encourage. Hein, après, tout le monde est libre d'agir comme il le souhaite. Mais en tout cas, d'être en harmonie avec vous-même et avec les autres. C'est-à-dire que ici, il y a un parcours qui a été un petit peu autodestructeur à l'intérieur. Mais c'est très positif parce que ça permet d'être qui vous êtes. Et puis, de pouvoir intégrer cette connexion universelle et pouvoir apporter votre belle lumière au monde. Beau message pour vous, les scorpions. Hein, tradition lunaire, hein, flux et reflux. Donc, effectivement, hein, comme j'expliquais, les émotions ont eu lieu d'être, hein, les émotions, etc. Les émotions, de toute façon, anciennes, erronées, hein, eh bien, ici, c'est le flux de la vie, c'est les émotions, inévitablement. Et de l'obscurité à la lumière. Eh bien, moi, je vais conclure là-dessus. Les scorpions, de l'obscurité à la lumière. Donc, ça veut tout dire. Ouvrez votre cœur, hein, c'est le moment d'exprimer qui vous êtes. Et puis, cette obscurité, hein, qui était latente, eh bien, aujourd'hui, est en train de se transformer puisque vous avez compris beaucoup de choses. Et puis, il me semble aussi que toute cette période d'autodestruction que vous avez pu traverser, hein, cette ambivalence de vous-même, eh bien, permet aujourd'hui de tout simplement d'aller dans la lumière et les choses vont se mettre en place pour vous. Très belle période pour vraiment exprimer la belle personne que vous êtes et vos émotions. Et puis surtout, au niveau du sentimental, eh bien, il est peut-être temps d'ouvrir votre cœur si nécessaire. Voilà les scorpions. Écoutez, moi je trouve un beau petit tirage. Et puis je vous dis à très vite. Et merci pour vos likes et vos abonnements.